Le choix post-DUT donne lieu à de longs moments de réflexion sur soi et ce que l'on veut faire après. C'est pour cela que nous avions à cœur d'essayer de vous guider du mieux possible dans vos choix. Nous avons donc fait appel à 5 anciens étudiants du DUTTC pour vous présenter leur parcours afin de vous aiguiller pour la suite de vos études. Alors, bienvenue dans la vie après le DUT. J'ai préféré faire le choix de faire les concours pour l'INSEC et j'ai fait les concours pour l'INSEC et je suis entré à l'INSEC. Après l'année de Master 1, j'ai fait une année de césure et je suis parti à l'étranger pendant un an. Et après, la dernière année, j'ai fait 4 mois à l'étranger et 6 mois du coup en France. Moi, je suis rentrée dans un IAE à Angers, où j'ai fait une L3 de management international et un M1 de management international à l'IAE de Angers. J'ai terminé par un M2 de marketing et pratique commerciale à l'IAE de la Sorbonne. Du coup, actuellement, moi, je travaille dans le marketing. Donc, forcément, le marketing, ça m'a ouvert des portes. J'ai passé les concours pour les écoles de commerce. Je suis rentrée à Neoma à Rouen. Donc après, là, je suis partie 3 ans à Neoma. Et donc la première année, je l'ai fait en cycle initial, en présentiel toute l'année. Et par contre, pour mon M1 et mon M2, je l'ai fait en alternance. Alors, j'ai fait mon DUT. À la fin de mon DUT, ben, comme je vous ai dit, mon niveau d'anglais, il était catastrophique. Donc j'ai fait un an à Londres. Je suis parti vivre un an à Londres tout seul. Donc, je travaillais là-bas en tant que vendeur dans un grand magasin de sport. Donc, quand je suis revenu, j'ai intégré une école de commerce, mais en licence, une licence de gestion à Schema. Et je l'ai faite en alternance. Après ça, j'ai fait les concours pour intégrer les écoles de commerce. Là, je suis en PGE à Schema. On a un campus au Brésil, on a un campus aux États-Unis, en Chine, en Afrique du Sud. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé d'y aller. Sur la façon de me présenter, sur la façon de présenter un exposé, le travail en groupe, parce qu'il y a pas mal de travail en groupe, je trouve, sur l'unité, et sur ma façon de m'exprimer, tout simplement. Honnêtement, avant, j'étais hyper timide, j'avais du mal à faire un exposé, je sais pas, devant la classe, c'était hyper stressant. Et aujourd'hui, bah, dans le cadre de mon travail, je me rends compte que c'est beaucoup plus simple parce que j'ai cette expérience, justement, à l'UT. On a vraiment le côté très, très concret, on fait pas des dissertations toute la journée, on est vraiment... On a vraiment des matières un peu plus appliquées, donc c'est ce que j'ai trouvé sympa. Je dirais une vision globale, en gros. En faisant des UTTC, je savais que j'allais voir un peu de tout. J'ai vu du marketing, j'ai vu aussi un peu de finance, on voit de la compta, on voit de tout. C'est la meilleure solution pour accéder à une grande école et ça te permet de te fermer aucune porte. Moi, dans ma promotion, il y en a qui sont aujourd'hui en école de mode, il y en a qui travaillent dans la finance. Donc tu peux faire un peu de tout en sortant d'un UTTC. Je t'avoue qu'avant de rentrer à l'UT, je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Et en fait, de rentrer à l'UT, ça m'a permis de voir en fait que je voulais vraiment m'orienter vers une carrière dans le marketing. Du coup, actuellement, moi, je travaille dans le marketing. Donc, forcément, le marketing, ça m'a ouvert des portes. C'était bien aussi d'apprendre en tant que salarié, c'est quoi tes droits, c'est quoi tes obligations, à quoi ça ressemble un contrat, qu'est-ce qu'on a le droit de te demander, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de te demander. Et tout ça, c'était cool. Je dirais que c'est sur la partie négociation, notamment sur l'aspect prospection, parce que quand on intègre une entreprise, en général, les jeunes commerciaux, on a toujours une partie de prospection. Et l'IUT m'a permis d'avoir ces bases pour pouvoir être assez opérationnel, pour pouvoir avoir des bons résultats dans mon entreprise, en fait. Avoir des cours de négociation pour toute personne qui veut travailler en tant que commercial, en tant que business developer, c'est le plus important parce que, en quelque sorte, tu vas vaincre ta timidité en appelant des gens, en prenant ton téléphone et t'apprends les meilleures pratiques. Donc, je pense que ça m'a beaucoup aidé sur ça. Aujourd'hui, donc, je suis commercial et ça fait 3 ans que je suis commercial. Et basiquement, je travaille pour une start-up qui est aux États-Unis. Là, actuellement, je vis au Mexique et je travaille sur les États-Unis et Canada comme marché. Donc, je vends un logiciel à des entreprises qui ont entre 50 et 1000 employés, jouant à des commerciaux, des marketeurs et des personnes qui s'occupent des clients. J'ai poursuivi par un master ingénierie d'affaires, donc purement commercial. La première année, je l'ai faite dans une école qui s'appelle Sub de Vente. Et la deuxième année, je l'ai faite dans une autre école qui s'appelle Sub Carrière. J'ai intégré l'entreprise dans laquelle je suis actuellement, qui s'appelle Capgemini.
Capgemini, c'est le leader mondial de toutes les solutions informatiques. Et mon poste aujourd'hui, c'est ingénieur commercial au sein de Capgemini. Mon poste actuellement, moi je suis chef de projet marketing chez LexiLife, qui est une entreprise qui vend des lampes qui aident les dyslexiques à lire. Mon objectif, c'est de faire en sorte que les gens entendent parler de nous. Aujourd'hui, je suis business developer chez Miracle. Donc, c'est une grosse boîte, en gros, qui crée des marketplaces. J'ai été embauchée il y a un an et demi maintenant en CDI chez Lactalis. Et donc, en tant que chef de secteur, je vais dans les magasins, les Carrefour, les Leclerc, toutes ces enseignes-là, donc les gros magasins, pour mettre en place des opérations promotionnelles, pour vendre les nouveautés, pour négocier les places en rayon, voilà, il y a pas mal de choses à faire. Là, j'ai deux offres qui se proposent à moi aujourd'hui. C'est soit continuer en tant que commercial, pas faire juste la prospection, c'est faire la prospection jusqu'à la signature des contrats, ou passer plus sur un rôle de manager et aider l'équipe de prospection à fonctionner. On évolue justement à des postes responsable d'équipe, responsable régional, on peut être chef de produit. Le commerce, l'avantage, c'est que plus tu travailles bien, plus tu es payé, en fait, parce que tu as une part de variable qui est assez importante dans ton salaire. Donc oui, je pourrais évoluer, faire mon trou dans là où je suis, et ensuite on verra, je sais pas, dans 5-10 ans, si l'envie me vient, mais pour l'instant, bien maîtriser mon poste, et on verra par la suite. C'est mon premier poste, donc je peux faire que aller plus loin. Mon poste a déjà pas mal évolué entre le moment où je suis arrivée et 9 mois plus tard, maintenant. À partir du moment où vous remplissez vos objectifs, vous avez la possibilité de monter. Après, c'est à vous de miser le plus possible sur vous. Ça passe par des formations, ça passe par regarder des vidéos YouTube sur des sujets qui vous intéressent pour être le plus possible calé sur des sujets. Il y a des conférences TEDx qui sont super intéressantes, qui vous apprennent certains métiers, qui vous apprennent certaines choses, comment faire, comment apprendre à parler en public, comment plein de choses comme ça. C'est à vous de le faire, et en quelque sorte, en le faisant, vous donnez du crédit à votre candidature. Dans tout ce qui est commerce, marketing, communication, même l'événementiel et tout ça, ou même la compta, ça colle. Donc on voit tellement de choses qu'après on peut s'orienter. Alors oui, parce que j'ai fait quelques stages dans le cadre du DUT. Et j'ai gardé quelques contacts avec des maîtres d'apprentissage, pardon. Et aussi par les contacts qu'on se fait là-bas. C'est-à-dire que là, vous êtes entre amis, vous ne vous rendez pas compte, mais dans 3 ans, il y en a un qui sera dans un poste, l'autre qui sera à la recherche d'un travail. Et ne serait-ce que donner le numéro de l'ARH, ça peut beaucoup aider. Donc, ouais, ça m'a pas mal aidé là-dessus. Je pense que l'UIT, en comparaison, on va dire, de l'école de commerce après, l'IUT c'était bien parce qu'en fait on n'est pas autant qu'en école de commerce, donc du coup tu connais tout le monde, donc avoir des contacts à l'IUT et garder contact avec ces personnes là, en fait ça m'aide pas mal au niveau des relations que j'ai et de trouver des prospects pour la boîte pour laquelle je travaille. Tu peux vraiment travailler dans tout, donc ça ne ferme aucune porte. On est tous partis sur des domaines différents. Donc moi je suis partie en marketing, j'ai deux amies qui font maintenant qui sont chef de projet, mais elle dans la mode. J'en ai une qui est partie dans la logistique, il y en a une qui est acheteuse. Alors qu'on a toutes fait la même formation, on part sur des trucs vraiment différents. Déjà, explorer toutes les opportunités, le commerce c'est large. Un conseil, c'est vraiment te poser les bonnes questions et être honnête avec toi, savoir est-ce que c'est vraiment ce que tu veux faire ou c'est tu suis en fait ce que les autres font. Pour ceux qui veulent continuer dans la licence ou le master, moi ce que je pourrais vous conseiller c'est faire une formation en alternance, parce que c'est là où vous aurez vraiment l'expérience sur ce que vous pouvez apprendre aujourd'hui. Si vous avez une idée en tête, vraiment allez au bout de cette idée. Prenez-vous-y au plus vite. L'anglais c'est important, il faut savoir où vous voulez aller. Vraiment savoir où vous voulez aller. Garder des contacts avec tout le monde, parce que c'est hyper important dans le monde du commerce d'avoir des contacts. Aujourd'hui, même si vous revenez en arrière, c'est pas un problème. Et se poser les bonnes questions, même si tu es encore à l'UT, c'est ce qui va te permettre de savoir où tu seras dans 5 ans ou où tu seras dans 10 ans. Que ce soit en termes de formation, que ce soit en termes d'école, vraiment juste soyez vous et investissez en vous.